Vous voyez le poteau électrique là derrière moi. Voilà, et puis regardez un peu autour. On a quoi? On a une clôture. Voilà, le petit mur qui est là, il représente quoi? Il représente une clôture. Donc, le poteau électrique se retrouve au sein de la clôture. La clôture représente un mur. Le mur là représente une clôture plutôt. Donc, on a un poteau électrique qui se retrouve au sein d'une clôture. Et puis, comment se fait-il aussi qu'on a un lot qui se retrouve en plein milieu des voies comme ça? Parce que vous voyez, ce sont des poteaux électriques qui sont alignés. Donc cela sous-entend qu'on a quoi? Qu'on a ici une voie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et sur cette chaîne, je vous partage des astuces pour vous permettre de bâtir votre patrimoine immobilier. Alors si vous aussi, vous voulez avoir des biens immobiliers et bâtir votre patrimoine immobilier de sorte à impacter positivement l'Afrique, je vous invite tout de suite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager de telle sorte qu'elle puisse aider quelqu'un. Parce que le sujet qui sera développé aujourd'hui, c'est un sujet qui est super important. Comment faire pour pouvoir acheter des terrains? Comment faire pour éviter de se faire arnaquer? Et surtout, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Vous voyez pourquoi est-ce que on a un poteau électrique au sein d'un lot. Je vais vous expliquer cela en long et en large. Voilà, donc voici un peu la clôture. Et la clôture, ce qui est étrange, c'est qu'on a un poteau électrique au milieu même de la clôture. Ouais, attendez que je vous explique bien. Voilà, vous voyez, on a les poteaux électriques qui sont alignés là. Donc cela signifie qu'on a quoi? Qu'on a une voie. Parce que les poteaux électriques, on les met en bordure de voie. Donc comment se fait-il qu'il y a un lot qui excède la voie? Comment se fait-il que le poteau se retrouve au sein d'un lot? Parce que là, c'est quelqu'un qui a protégé son terrain et qui a fait son lot. Ouais. Voilà, donc c'est là maintenant que le problème se situe. Donc j'ai essayé de me renseigner pour me prévenir de la situation. Et là, on m'a fait savoir qu'il y a un problème. En réalité, il y a un premier village, il y a deux villages qui ont fait le lotissement, un lotissement sur la même parcelle. Voilà, le village de... Ok, au revoir. Au revoir. Ce sont les personnes qui m'ont montré le terrain tout à l'heure. Donc, on a deux villages qui ont fait le même lotissement sur la même parcelle. Donc, le premier village qui est Ayapoto 1 a fait son lotissement avec ses tracés. Quand on fait le lotissement, on fait des délimitations, on fait le morcellement avec les différentes voies et autres. Donc c'est dans le plan du premier dans le plan de lotissement du premier village qu'on a ici une voie. Donc du coup, puisqu'on a la voie, ils ont mis des poteaux électriques pour pouvoir éclairer la voie. Et dans le plan de lotissement du deuxième village, ici on n'a pas de voie. Ici c'est plutôt des lots d'habitation. Donc c'est comme si on a quoi? On a deux lotissements qui se chevauchent. Si vous voulez acheter des terrains, vraiment faites beaucoup attention. Parce que c'est pas normal qu'on ait un poteau électrique au milieu d'un lot. C'est pas normal. Voilà, donc quand vous voyez quelque chose comme ça, faites attention. C'est pas la peine de vous aventurer sur ce type de terrain. Sur ce type de terrain. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a souvent ce genre de situation? Pourquoi on a souvent ce genre de situation? J'ai essayé de me renseigner et je me suis rendu compte que c'est un problème de famille. Voilà, c'est un problème de famille. On m'a fait savoir que la même parcelle appartient à une famille. Donc, toute la parcelle appartient à une seule famille. Et quand les premiers opérateurs ont lancé le lotissement, c'est le premier lotissement, sur la convention de la famille, on avait pratiquement 95% des membres de la famille qui ont signé, qui ont donné leur approbation pour que l'opérateur en question puisse commencer les travaux. Et il y a un des membres de la famille qui n'avait pas son nom sur la liste en question. Et c'est ce dernier-là
qui a donné cette même parcelle à un autre aménageur. Vous voyez. Voilà. Et l'autre aménageur, lui, vient d'un autre village. Donc actuellement, c'est comme si on a Adiapoto 1 qui a lancé un lotissement et Adiapoto 2 qui a lancé le même lotissement. Mais vous-même, vous voyez que le nom, le nom même du village se répète, c'est Adiapoto 1 et Adiapoto 2. Donc du coup, c'est les mêmes familles. Ouais. Voilà. Donc, on a deux lotissements sur une même parcelle appartenant à une même famille. Et les membres de la famille n'ont pas pu se réunir pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Donc actuellement, l'aménageur qui a vendu l'aménageur qui était sur la première parcelle qui a vendu ses lots, actuellement se retrouve dans des difficultés. Parce que ceux qui ont initié le premier lotissement, actuellement, celui qui était le chef de famille est décédé. C'est lui qui était le chef de famille est décédé. Donc, normalement, dans la lignée de succession, c'est celui qui a donné le lotissement à l'autre village, c'est-à-dire au deuxième aménageur là, c'est lui qui remplace celui qui est décédé en question. Donc du coup, lui, il a balayé du revers tout ce que l'autre avait fait, sachant que l'autre était son aîné dans la lignée de succession. Donc, je récapitule pour qu'on puisse se comprendre. Dans une famille en question, une grande famille qui forme deux villages, Adiapoto 1 et Adiapoto 2. Voilà. Donc, l'aîné de la famille donne la parcelle en lotissement à un aménageur foncier. Et le deuxième, lui, n'est pas d'accord, mais il ne dit rien. Donc, il laisse jusqu'à ce qu'il laisse l'aîné finir son lotissement. Et le second, lui, il lance un autre lotissement sur la même parcelle avec le nom de l'autre village. Donc l'aîné a lancé avec le nom Adiapoto 1. Le second lance avec Adiapoto 2. Sachant que c'est la même famille. Donc, par la force des choses, l'aîné décède. C'est-à-dire que celui qui lance le lotissement avec le nom Adiapoto 1 décède. Et étant donné que celui qui doit le remplacer, c'est celui qui le suit. Or, celui qui le suit, c'est celui qui a lancé le lotissement avec l'autre village. Donc, j'espère que je me comprends pas, c'était tellement compliqué. C'est une histoire rocambolesque. Voilà, donc actuellement là, voilà, étant donné que le premier, l'aîné qui a vendu les parcelles, il est décédé, celui qui l'a succédé, il refuse de compenser les pertes du premier. Lui dit que c'est pas son problème. Il a donné seulement les papiers à ceux à qui le grand frère avait vendu, mais qui ont construit. C'est-à-dire, si le grand frère avait vendu des terrains à quelqu'un, que celui-là, il a construit dessus, dans ce cas, l'aîné, lui, la pitié, il donne le papier qui correspond. Par contre, ceux qui n'ont pas construit, là, c'est pas la peine même. Ouais. Donc, actuellement, il y a un bras de fer sur la parcelle entre ceux qui ont acheté avec l'aîné et ceux qui ont acheté avec le second. Voilà, quand j'ai essayé de me renseigner, on voit qu'il y a un véritable bras de fer. Mais je vais donner maintenant mon avis d'expert. Je crois que ce bras de fer ne va pas aboutir. Pourquoi? Parce que le deuxième, c'est-à-dire le second, celui qui a lancé le lotissement après, lui, il a eu gain de cause. Pourquoi? Parce que la parcelle a été approuvée. Et les premiers, la parcelle n'a pas été approuvée. Oui. Or, on sait que l'approbation, c'est le document qui est reconnu devant le ministère. Donc, ceux qui ont acheté avec le grand frère, actuellement, là, vis-à-vis de la loi, ils ne peuvent pas faire des bras de fer, mais ils ne peuvent que s'approcher de la famille pour qu'ils puissent trouver une solution en fait. Parce que techniquement, quand un terrain n'est pas approuvé, il n'est pas recommandé de le vendre. Voilà. Quand on le vend, on explique que c'est un cas de préfinancement et on vous explique les avantages et les inconvénients du préfinancement. Parce que pour le préfinancement, il peut arriver que l'opération n'aboutisse pas. Voilà pourquoi dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que quand vous vous engagez dans une opération de préfinancement, vous devez vous assurez que dans le contrat ou bien dans la clause, vous ayez un moyen de sortie.
C'est-à-dire, au cas où ça ne marche pas, comment vous allez faire pour récupérer votre argent? Assurez-vous toujours qu'il y ait une clause qui vous permet de sortir gagnant, peu importe la situation. Et même si vous n'avez pas eu le lot, vous allez avoir au moins votre argent. Voilà, donc ça, c'est un conseil à tenir compte. Que ce soit avec nous, que ce soit avec quelqu'un d'autre, quand vous vous engagez dans une opération de préfinancement, assurez-vous que dans le contrat qui vous lie avec celui avec qui vous avez acheté, vous avez une clause, vous avez une condition pour pouvoir sortir. Ça, c'est obligatoire. C'est une condition sine qua non, en fait. Assurez-vous que, peu importe la situation, vous ne serez pas perdant. Voilà. Donc, actuellement, j'ai rencontré deux personnes qui avaient acheté des terrains avec l'ancien, et celui qui est décédé. Donc, je l'ai expliqué. Et j'ai même appelé le représentant de celui qui a fait le nouveau lotissement. Voilà. Donc, demain, on aura une rencontre chez lui pour exposer les faits. Et on espère que on aura gain de cause, que ces personnes-là ne vont pas perdre leur argent, en fait. Parce que c'est ça le but. Quelqu'un vient débourser 3 millions, 4 millions pour acheter un terrain. Et quand il perd son argent, vous voyez que c'est vraiment pas intéressant. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer un peu les réalités du terrain. Le but de la vidéo n'est pas de vous décourager. Non. Le but de la vidéo n'est pas de vous décourager, de vous dire d'acheter des terrains. Il y a toujours la partie obscure de la chose. Mais en tout cas, acheter des terrains, c'est l'une des bonnes affaires. C'est l'une des meilleures affaires ici. Moi, je suis dans le milieu, ça fait pratiquement 4 ans maintenant. J'achète des terrains approuvés, je fais des ACD que je revends au bout d'un an à pratiquement le double. Voilà, et ça me réussit. Et souvent aussi, il y a des complications. Mais on est là. Donc, on ne lâche pas, on ne lâche rien du tout. Voilà, tout ça fait partie des difficultés, mais on ne lâche rien. Parce que quand c'est bon, on dit merci à Dieu. Quand c'est compliqué aussi, on dit merci à Dieu. Donc, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, quand vous voulez acheter des terrains, faites vraiment attention. Quand vous explique un peu l'historique qu'il y a autour de la parcelle, de telle sorte que vous ayez un peu une idée de la chose, comme ça, cela va vous faciliter dans votre choix. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt.